L'idée de la chapelle au début, c'est, bon, c'est une espèce de continuation de mon thème préféré, le sujet préféré, qui c'est la femme. Ça, c'est le premier panneau de la chapelle. Il y a le naissance, adolescence, femme, ici, et femme enceinte, de maternité. Je ferai travailler avec le toile préparée, un petit peu dans la même façon que je travaille le papier. Je pensais à un support plus solide que le papier craft. Et j'ai commencé avec le panneau ici à gauche, en fusain, en découpé, j'ai bougé le personnage. J'ai pensé de faire ça un peu partout, mais c'est trop difficile, trop lourd, le panneau, les choses comme ça. Ça fait qu'après, je fais juste le gros morceau de toile, qu'on voit dans le panneau de fond, avec le vierge. La femme enceinte, pardon. Les gens disent toujours, quand ils rentrent, ils disent « c'est le vierge ». Je comprends très bien qu'ils confondent un petit peu, comme si c'est une chapelle, ils disent « ça, c'est le vierge ». C'est comme ils disent aussi, quand ils voient un enfant, ils disent « bon, il y a l'enfant Jésus dedans aussi ». Je dis « non, c'est pas une représentation de n'importe quel livre, c'est juste de l'histoire d'une femme. Que je sais que c'est au début de toute la religion, mais ici, ce n'est pas une religion catholique, on ne dit pas ça. Cette partie-là, et j'ai continué de... La seule chose que j'ai gardée de la première série de pastels, de fresques en papier, c'était l'utilisation de papier calque. Le premier, j'utilisais beaucoup de papier calque pour ajouter une partie de dessin qui manquait. Ici, j'ai trouvé que le papier calque joue le rôle de voile dans la peinture de Renaissance. C'est quelque chose qui ne cache rien. Bon, c'est caché légèrement, mais en fait, ça tire les tensions plutôt. Et c'est aussi une dynamique. Le voile, c'était toujours une dynamique dans le peinture de Renaissance et dans la sculpture grecque. Ici, c'est. Bon, j'ai utilisé pour toutes ces raisons-là, pour cacher un petit peu, pour créer une autre dynamique, et pour voir cette espèce de transparence, un peu l'étude de papier calque. Non, j'ai pas pensé des autres gens qui sont faits de chapelle. C'est sauf celle de Piero della Francesca, c'est la Madone, je ne sais même plus le titre exact, où il y a une femme enceinte. C'est superbe, c'est un petit, c'est assise, je crois. Ça, j'ai pas pensé des autres. J'aime bien celle de Matisse, mais c'est pas du tout la même chose. J'en me parle, j'ai jamais vu celle de Dado, mais paraît-il c'est super. Et les autres, non, je n'ai pas vu. Celle de Michel-Ange, j'ai vu. mais pas de ça, non. L'orthodoxe, dans le sens qu'il y a l'eau, oui, et souvent dans l'église orthodoxe, il y a l'iconostase. Il y avait une étape, je n'ai pas parlé de ça. Entre la première série de pastels, de fresques en papier, et j'ai commencé la série dans la toile, sur toile dans le cœur de la chapelle, le reste, les autres quatre panneaux, j'ai mis une espèce d'iconostase, de tableau de cette format-là. Ça fait qu'il y a deux rangées de personnages. Ça, c'est le fameux mur. Il y a un mélange des enfants, cette transition un peu de femmes. C'est le saint, comme ça, quand je racontais avant l'histoire. Le personnage qui est en train de changer là, c'est la vieille dame, en fait, suite au cancer, comme ça. Elle est malade. Il va mourir. Dans le dernier panneau, il y a la femme qui meurt. Il y a des enfants. C'est pas une célébration, mais ça ne le dérange pas. Ça fait partie de la vie. Le vieux, par contre, il perd un ami ou un proche, il pleure.
pour les enfants, c'est quelque chose presque en célébration de la continuité de la vie. Mais je me rends compte vite que, en fait, le chapelle, c'était pas, le mur de la chapelle, ce n'était pas assez simple pour recevoir un enduit pour le fresque. Mais comme j'ai déjà commencé à lancer dans l'histoire avec ces cartons, j'ai continué de travailler sur les cartons, élaborer un petit peu pour faire un vrai faux fresque, un fresque en restauration. Et ça, un peu éphémère. Je en fait, la chose qui m'avait intrigué, un peu attiré pour le fresque au début, c'est les dimensions. Mais après, il y avait un problème d'éternité, le problème de, que j'ai fait, si je fais un fresque, je vais rester avec ça, mais si je ne me plais pas, je suis un peu coincé. Prendre le ciseau pour enlever. Et. J'ai décidé de ne pas faire une vraie fresque, continuer avec le fresque éphémère, le papier. Et ça, c'était la première version de la fresque dans la chapelle, c'était comme ça. Bon, après, c'est parti, on a démantelé ça, c'est reparti en Belgique pour une exposition à Anvers. Et j'ai commencé ces cérémonies qu'on voit ici sur le mur, sur le plafond, où j'ai travaillé directement sur le mur, avec le fusain, le pastel. Le pigment. C'est le plafond, c'est la chose que j'aime le plus. C'est le plus intéressant dans la dynamique de la voûte et de jouer avec le personnage qui danse, qui intervient. C'est le plus difficile. Les gens me disent, oui, c'est très difficile. Et je dis, oui, c'est difficile, mais c'est pas intéressant. Si c'est pas difficile, c'est pas intéressant. La facilité, pourquoi? Si tu fais quelque chose de bien, c'est comme si les gens me disent, oui, tu fais cette œuvre, c'était super, c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, pas faire une autre. Moi, j'aime bien, je suis un tableau-phage. Je ne sais pas comment il y a un mot pour ça. Un œuvre, tableau, fresque, n'importe quoi, ça peut toujours être peut-être fait mieux. C'est vrai que les choses restent chez moi, le tableau dans mon atelier, le tableau sur le mur de fresque. Mais je peux intervenir 10 ans après, 5 ans, dans la chapelle. Les dessins ont commencé maintenant il y a 15 ans, plus de 15 ans. Mais après 15 ans, je peux voir une idée mieux, changer. J'ai tort de temps en temps, je fais des erreurs. Il y a des tableaux qui n'existent pas, que j'ai adoré. J'ai la photo, témoin. Regarde sur Instagram, tu vas le voir. Super tableau. Ça n'existe plus. J'ai déchiré, j'ai coupé, j'essaie de pousser trop loin avec le couleur. Le personnage, les gens me demandent toujours est-ce que c'est le vrai personnage ou c'est l'invention. De base, il y a le vrai personnage. Je travaille beaucoup à Paris avec le modèle, des amis, des filles des amis, des copines, trop de femmes. J'ai gardé les dessins que j'ai fait avec mes petits croquis que j'ai fait avec le modèle. J'ai rien vendu de ça. J'ai gardé ça, c'est mon encyclopédie où je peux puiser le pose, la façon de bouger. Si je ne le trouve pas, j'ai fait moi-même devant un miroir. C'est pour ça que les personnages sont souvent des bras un peu masculins. Mais par exemple, ça.
des personnages de Vanek. Si on regarde bien le fresque, c'est une tension, une vanité au début. Je n'ai pas vraiment poursuivi pendant toute l'exécution de la fresque. C'est le fait toute la représentation, de façon que la femme est représentée par le peintre à travers l'époque. Renaissance, impressionniste, même il y a un petit visage, un petit gauguinesque parti de là. Ça, c'était un portrait de la femme qui est morte. Là, on avait ça, c'est tout récent, parce que c'était un dessin que je n'aimais pas du tout. J'ai fait ça. Ça, c'est la dernière chose que j'ai fait dans le chapelle. Le reste, c'est parce que la femme, un peu mieux, c'était c'était pas mon point fort. Et dans le chapelle, ça passait pas. Ça fait qu'on passait directement à la maternité, à la mort. Les gens disent, mais Michael, il y a une autre période de vie beaucoup plus longue de la femme, que c'est la femme nature. Bon, souvent les réactions sont un peu bizarres, parce qu'en haut, il y avait, pas dans cette série, mais la première série de dessins que j'ai fait de fresques, pour le fresque, il y avait une femme, deux mains, il y avait une main, ça, et une autre. Parce que j'ai laissé les traces d'un repenti. Et les gens sont passés, j'en ai dit, hey, Michael, ça c'est l'histoire du cancer de sein. Non, mais ça peut être. C'est bizarre, en fait, la réaction des gens avec la représentation de femmes. J'ai eu plusieurs fois, je me prends ça comme un compliment, de femmes qui me disent, ah, on a cru que c'est une femme qui a fait tous ces fraises. Moi, j'ai dit, bon, c'est bien, parce que. Moi, j'aime bien la femme, mais ce n'est pas une femme, c'est moi. Oui, je crois. La technique a évolué. Au début, j'ai dessiné. J'ai essayé la peinture, mais je n'étais pas très bien pour la peinture. J'aime bien travailler le doigt. À l'école primaire, on fait beaucoup de finger painting. Tu sais, quand on peint avec le doigt, comme ça. J'adore. J'adore le modelage, j'ai fait des petites sculptures. Vous allez voir chez moi, dans mon atelier, j'ai fait des petites sculptures avec le doigt, comme ça. Tu vois. Mais le dessin, bon, je crois que c'est devenu un peu mieux. Le dessin fini comme ça, je trouve toujours le petit dessin que j'ai fait avec le modèle la meilleure chose que j'ai faite. Après ça, c'est le fusain. J'aime bien le fusain noir et blanc. Je ne suis pas un coloriste né. Je me forçais de voir un peu de couleur. C'est arrivé avec le pastel, parce qu'en fait, dans le pastel, tu peux voir. Tu travailles beaucoup avec le pastel, les petites nuances, les petites touches, comme dans la chapelle, le dessin sur la chapelle, sur le mur rugueux. Tu vois, une petite touche, un grain de pastel, ça change de couleur de le fond. Ça, j'adore travailler le pastel. Mais la figure même, comme je l'ai dit, je fais de temps en temps pas l'expressionnisme, mais je fais le dessin de temps en temps, un petit expressionniste. Mais non, j'ai déconstruit, j'ai fait une déconstruction de mes tableaux. Ça, c'est une autre chose. Je découpe, je récolte, tu vas voir plusieurs exemples ici. Ça, j'aime bien, parce que ça, c'est aussi de. Je fais ça avec le chute de tableau, le pastel que je ne trouve pas très bien. Je déchire, je garde le morceau, de temps en temps, je sèche une main ou un visage ou un bas de corps. Tu mets ça ensemble, tu crées un autre dynamisme. Il y a Rodin qui fait la même chose avec ses petites sculptures. Un haut d'une figure et un bas d'un autre. Tu crées quelque chose qui a l'air d'être vrai, mais ce n'est pas vrai, mais il y a une espèce de torsion. Ça, je fais souvent dans mes dessins aussi, dans le pastel ici. Quand je fais des collages comme ça, tu mets des choses qui ont l'air d'être réelles. Mais ils ne sont pas. Ils sont propres. Bah, même les dessins que j'ai faits, ils n'ont jamais anatomiquement correct. Quand les gens demandent si je veux travailler avec un modèle,
professionnel. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de connaître le corps. Je connais plutôt le corps. Mais j'ai transformé un petit peu dans ma tête quand même. De jamais vraiment réel. Je ne me dérange pas. C'est dans ce chose, dans la façon de dessiner. C'était le pastel au début. C'est assez ancien, cela. J'ai résisté depuis presque 15 ans maintenant dans le tiroir, sans abîmer trop. Parce qu'en fait, c'était un dessin que j'ai fait. J'ai greffé un autre visage dessus. J'avais en principe. C'est divisible quand il y a lumière rasant comme ça. Ça sépare. Normalement, tu vois ça encadré, tu ne vois pas la définition du trait un petit peu l'ombre, un petit peu le coller un peu mieux. Je fais pas, c'était un plus grand, plus long au début. J'ai découpé pour faire plus petit. En fait, c'est parce que j'ai fait une exposition en Belgique et ils voulaient voir le petit pastel. Ça, c'est une partie que je n'avais pas beaucoup, c'est fait que je l'ai coupé. Il est resté là pour être. C'est un peu. C'est des fresques que je travaille un petit peu ici parce que c'est trop. Trop. Il y a beaucoup de choses. Il y avait 7 dessins qui traînaient par terre. J'ai un pastel, j'ai commencé, c'est pas terrible. Bon, c'est bien, mais c'est pas. Ça manque quelque chose. Il y avait un autre tableau que j'ai déchiré, j'ai gardé le visage. Et j'ai trouvé ce visage par terre, et j'ai dit bon. Non, ça va ensemble. Tu vois que tu vas le coller après. Oui. Ça va plutôt bien. Très bien. Comme ça. Et je suis content. Après, tu vas le faire un petit peu lien, un peu mieux avec les couleurs de, pour que ça ne reste pas trop un collage. Et c'est un autre dynamique parce que. C'est la façon de tourner la tête, c'était pas naturel avec la façon de s'asseoir. Mais c'est venu d'être naturel, mais c'est pas naturel. C'est un tableau qui, comme ça, c'est fermé, c'est un peu décent, modeste. Mais il peut l'ouvrir comme ça aussi. C'est un peu trop. Par exemple, jusque là. Et aussi le faucon, il peut descendre comme ça. C'est un tableau comme ça pour pour presser le fond de la femme. Mais comme avec Lacan et l'origine du monde, au lieu de tourner le tableau, on fait juste un peu comme ça. Et comme ça, ta grand-mère peut passer dans la maison. Moi, je m'amuse avec ça. Et ils sont là, non, ils sont un peu cachés dans le. Pas cachés, rangés dans le salon. J'ai sorti ça parce qu'on était en train de déchirer, d'abîmer, dans la façon que j'avais stocké. J'ai sorti pour le corriger, pour le réparer un petit peu. Et après, il va se ranger dans le tiroir. Mais je travaille beaucoup avec. Je découpe le tableau qui souvent un peu le même pose. C'est le temps en train de travailler. Soit tu fais des dessins très très vite, soit tu élaborais un petit peu. Il devient dans un très mauvais état, tu les dessins, parce que comme je le sors assez souvent pour le. Comme quand je cherche une référence, une pose ou quelque chose comme ça, je cherche un dessin qui correspond un petit peu à la chose que je suis en train de faire. Mais il ne reste pas très propre. Puis toujours les filles qui choisissent la pose, moi j'aime pose, jamais la pose. Je ne demande jamais rien, parce que je trouve ça, c'est pas une agression, mais j'aime bien que quelque chose, il me montre quelque chose. Pas que
ou de temps en temps, je peux le trouver. Si je suis en train de bouger, simplement, je vais dire arrêtez là, parce que je trouve ça c'est un peu intéressant. Mais je dis, mettre ça au dos et masturber, je ne le dis pas. Mais elle, c'est une femme de collectionneuse qui pourrait exciter son mari. C'est une fois que j'ai fait un portrait de femme, de riche anversois, et un peu handicapé, il avait des problèmes de souffle. Je crois qu'il a remplacé ses poumons après, il est mort quelques années après. Et il avait fait poser sa femme, et lui, pendant que j'ai dessiné sa femme, mais il est juste derrière moi, avec une espèce de... terrible. Et finalement, j'ai fait le portrait de sa femme. Lui, il avait un transplant de poumon. Il est devenu un jeune homme de nouveau. Il est parti quitter sa femme. Ça n'a pas duré très longtemps. Le poumon... Ça, c'est une femme... En fait, il y a un moment à Paris, il y a un groupe de femmes qui m'avaient demandé de l'enseigner un petit peu le dessin. J'ai dit, moi, je ne suis pas pédagogue, mais c'est très difficile. Parce que pour moi, le dessin, moi, c'est ma façon de dessiner, mais je ne peux pas imposer ça. Je trouve que tout le monde avait sa propre façon de dessiner. Dans toute façon, si vous voulez que je fasse quelque chose, tu engages un modèle et on va travailler ensemble. Ils engagent cette fille-là, qui est très bien. Il y a un modèle professionnel qui met sa montre par terre, compter le minute. Et oui, je fais. Il y a quand même quelques dessins qui sont bien. Au fur et à mesure, je. La femme en principe, plus de position possible, plus de... Voilà, c'est ça. Ah, je le demande de temps en temps ici, tu fais ton portrait. Je dis, fais ton portrait. Elle sait très bien que fais ton portrait, c'est un petit peu... Mais... Alors, j'ai l'autre façon de dessiner, je dessine. Je ne peux pas mettre tout dans une seule feuille. Avec les deux dessins. On dit qu'on semble mieux comme ça, mieux. Tu vois ? Voilà. Ça, c'est le modèle professionnel que je vais montrer avant. C'est le petit portrait de... La bosse. Ah bon, j'en viens très souvent. Ça, c'est un bois. Ça, c'est un fils de l'affiche pour le hackathon. J'ai fait une exposition de linogravure à l'hackathon. Ça, c'est de l'affiche pour le... On l'a tiré sur mon presse. J'ai une presse en bas. L'ancienne presse. Et... Mais les tableaux peuvent être repris, retravaillés à l'infinitum, un petit peu. Et si on le trouve quand on le fait de perfection, à ce moment-là, on reste, on devient plombier ou quelque chose d'autre. Mais si tu veux être peintre, moi j'essaie toujours de faire quelque chose de mieux. Je vois toujours des erreurs dans les choses que je fais. J'aime bien, je viens ici dans mon atelier, le matin, je m'assois pendant 10 heures, juste en regardant les choses et en regardant tous les défauts de les choses que je fais. Oui, je peux être un peu mieux. Souvent, avec un mélange, un rapport de deux tableaux mis à un côté de l'autre, ça, c'est dans l'idée, peut-être soit combiner ou prendre partie d'un, mettre dans l'autre. C'est pour ça que j'aime bien le chaos.
Je trouve des choses même par terre. Quand je déchire le tableau, ou découpe le tableau, il y a pas mal de choses qui tombent par terre. Il y a un tableau de Caravage qui s'appelle « La Charité ». Et ça, c'est un petit peu « La Charité ». Je ne me souviens plus de mythe. C'était l'histoire, c'était l'histoire d'un prisonnier. Il y a une femme qui allait pour le nourrir. Encore un autre portrait, encore une belle femme, et même un bel naturel. C'est tout dedans. Technique, c'est pastel, c'est toujours le pastel. Au début, j'ai toujours un dessin en fusain, comme on voit un petit peu dans les autres tableaux. Après, un petit lavis de couleur, juste pour que je différencie le fond et la figure, un petit peu. Et après, c'est le pastel. Là, et encore, de temps en temps, j'ajoute des autres trucs, le papier calque, feuilles d'or. Là, il y a même, c'est comme si c'était mon modèle fétiche. Il y a un petit fétiche. Peut-être, voilà, je ne sais pas, quand je deviens plus vieux, j'habille un peu plus le modèle. Je n'étais pas habillé. J'aime bien la façon que Matisse avait habillé ses modèles, en fait. J'ai un peu déshabillé et habillé. J'aime bien. C'est peut-être ça, la vieillesse, ça. Avant, c'était juste la femme nue dans toute cette gloire. Après, j'appréciais un peu plus le... C'est le souvenir de jeunesse, en fait. La jeunesse, on ne voyait jamais de femmes nues. On voit des femmes un peu déshabillées, un peu suggérées. Et je crois que ça, ça revient. Je retrouve cette excitation de jeunesse, de voir un truc un peu caché, suggéré. Thank you.